On va aussi, de notre côté, faire le point sur la situation des pannes à Hydro-Québec. 26 000 clients présentement qui sont sans électricité, un peu plus. On en parle avec Maxence Huard-Lefebvre, porte-parole d'Hydro. Bonjour. Bonjour, M. Dumont. Il y a une heure, c'était 28 000. On est à 26 200, donc on en rétablit progressivement? Exactement. Donc, on a peut-être vu que ça a progressé moins rapidement dans les dernières heures que ce qu'on a vu hier. Il faut dire qu'il y a eu un changement de cadre de travail le matin. Il y avait des équipes de nuit. Puis, il y a aussi eu de nouvelles pannes. Il y a encore de la neige qui s'est accumulée sur les branches. Il y a certaines branches qui ont mis plus de temps à céder. Donc, il y a des pannes dans ce bilan-là qui sont apparues la nuit dernière ou ce matin et qui contribuent à faire en sorte qu'au fur et à mesure qu'on en règle une, il y en a une nouvelle. Mais on continue, puis on a une bonne force de frappe aujourd'hui avec environ 500 ans. De loin, là, c'est la Montérégie qui est la région qui a le plus de pannes. Sinon, c'est quoi le portrait par région, là? Exactement. C'est vraiment la Montérégie. 15 000 clients encore touchés. Je vous dirais, les municipalités qui sont près du fleuve, de Châteauguay jusqu'à Longueuil, là, c'est là où il y a le plus de pannes encore. Sinon, c'est en Estrie. Donc, les deux régions qui ont reçu le plus de neige collante. Puis, j'en profite peut-être pour rassurer les gens. Il y a des gens qui nous ont dit, écoutez, là, c'est la première neige, ça va être quoi cet hiver? C'est une neige très collante qu'on a reçue. Hein? Ça arrive en début de saison, en fin d'hiver également. Une neige qui va coller aux branches, qui va s'accumuler. Puis on a vu les branches brisées. Donc, c'est vraiment ça qui a causé les contacts de branches avec notre réseau qui cause des pannes. Donc, une neige plus volatile quand il fait plus froid n'a pas d'impact sur le réseau électrique. Il me semble que c'est quand même rare, par exemple, qu'il faut dire qu'il y a eu beaucoup de neige collante, pas de vent pour la balayer à mesure, mais il me semble que c'est quand même rare que, strictement par la neige, on a autant de pannes. Oui, bien, vous avez raison, puis c'est vraiment le type de neige qui est en cause. Je vous dirais, chez nous, à Hydro-Québec, ce qui nous inquiète le plus, c'est le verglas. On le sait, on l'a vécu en 98, on l'a vécu aussi plus tôt cette année, avec quand même des impacts considérables. Ensuite, ce sont les rafales de vent. La neige, règle générale, ça ne nous inquiète pas beaucoup. Par contre, quand elle est combinée à des rafales ou encore quand le mercure est tout juste près de zéro, c'est là où on va être à l'affût. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc, c'est pas qu'il y a eu des rafales dans ce cas-ci, mais c'est vraiment que la neige était lourde. C'est de la neige, hein, à bonhomme de neige, comme on le dit aux enfants, et donc très lourde, très collante, et c'est ce qui fait céder des branches d'arbres. Est-ce qu'on pense pouvoir rebrancher tout le monde aujourd'hui? On pense être à 95 % des clients rétablis en fin d'après-midi. Là, donc, il va malheureusement probablement rester quelques cas plus complexes en fin de journée. Actuellement, on est à 75 % par rapport au sommet à 117 000 clients touchés hier. Donc, ça va progresser beaucoup aujourd'hui. Puis, on va continuer à travailler avec les mêmes effectifs là, jusqu'en fin de journée là, pour progresser autant que faire. Techniquement, s'il en reste demain, des plus petits nombres, des cas isolés un peu plus complexes, là, mais il ne devrait pas rester de grosses masses demain. Non, exactement. Donc, on pense aux pannes qui touchent un plus petit nombre de clients, donc qui peuvent être plus longues à rétablir ou encore qui sont plus complexes là, de par la nature des dégâts. Bien, on va surveiller tout ça. Merci beaucoup d'avoir été là. Au revoir. Merci, M. Dumont.